Kalinja, montre-leur la sortie. Courage, mon ami. Pourquoi Légion? J'avoue que je n'étais pas sûre de revoir un jour les augustes salles d'Odin. Mes pauvres sœurs. Séjour céleste, je suis où? D'accord, ok, je vois pas du tout où on est. Ça me parle pas du tout. Êtes-vous digne du regard d'Odin? Accompagné d'un sia dans le grand salle du banquet, informé Odin des manigances des... Prouvez votre valeur. J'ai jamais fait ce donjon. Enfin, si c'est un donjon, je l'ai jamais fait. Odin, voici l'intrépide mortel qui m'a délivré de mes chaînes. Bienvenue dans mon domaine. Dis-moi tout, Danica. Qui donc a l'impudence d'emprisonner mes Valkyres? Nous sommes tombés dans une embuscade tendue par les entreliges de Helia. Je suis la seule à avoir survécu, et nous vous apportons un message de la sorcière. Je pervertirai toutes tes Valkyres, comme tu m'as perverti, Odin. C'est ton œil qui les trahit. Quelle délicieuse ironie. Trahison ? Comment ose-t-elle ? Par ma barbe, elle m'en répondra. Barbe extrêmement stylée, en plus. À rendre. Alors, à rendre à qui ? À Odin, du coup. Avez-vous contribué à redorer le blason de ces salles ? Sans bravoure, une vie ne vaut rien. Bon allez, la fureur fait de voix. Aidez maître... le maître forgeron Eldar à la forge de Nain, ok. Et on est toujours dans la campagne, hein. Tirez sur le volet. Rendez-vous au cercle de la gloire et affrontez les Valkyres. Pour déterminer laquelle est la plus valeureuse. Mais après sa défaite, j'ai cru être débarrassé de Helia. Mais elle ne cesse de me poursuivre de son fiel et de ses manigances. Mon œil, si noble et omniscient, transformé en arme scélérate. Je ne saurais tolérer pareille insulte. Danica. Tu seras l'instrument de ma colère. Bats-toi aux côtés de notre allié mortel et arrache la victoire en mon nom. À tes ordres, grand Odin. Je jure de venger mes sœurs. Bon. Ok, je ne peux pas utiliser mes montures ici. Oui, je préfère faire les quêtes ici. Tant pis, on... ça va faire 3 heures que je joue. Mais je vais pas m'arrêter en pleine instance, quoi. Surtout que je suis pas sûr de savoir comment revenir ici. Donc on va essayer de faire cette session là rapidement.
J'ai aucune idée de ce que je fais. Salutations. Puisse vos combats être victorieux. On est 1000. Putain, alors c'est chaud parce que c'est en anglais. Donc, encore encore de l'os visiblement. Ok. Ça doit être random, mais et j'ai eu. J'ai rien de plus. Enfin bon. Allez, on va aller s'occuper de. Des Valkyries. Voilà, sonnez le corps du défi pour commencer. Qu'attendez-vous de moi ? Je suis un Valarjar. À notre prochain combat. Ah. Le corps du défi, ben. Ah d'accord, ok, je le vois. Il pourrait le faire scintiller quand même. Manquez de discipline, la victoire vous échappe donc.
combat. Vous êtes digne de servir la colère d'Odin. Allez vite le rejoindre. Ça va être long, hein. Vous êtes digne de servir la colère d'Odin. Allez vite le rejoindre. Un nouvel adversaire cherche la gloire. Préparez-vous! À chaque fois, je dois rentrer et ressortir, en fait. Vous manquez de discipline. La victoire vous échappe donc. Ok. Vous êtes digne de servir la colère d'Odin. Allez vite le rejoindre. À notre prochain combat. Ah bah, je peux utiliser ma monture ici. Avant, je pouvais pas. D'accord, c'est parce que non, celle-là je peux pas. Ok. Comptez-moi vos combats. Apportez-nous la victoire. Assistez au renforcement des Valkyres, élus et le rituel de lien. Ifkakor. Ok. Puissent vos combats être glorieux. Écoutez tous. Voici l'Ifkakor. Façonné dans les feux de ma forge. Et imprégné de la poussière des eaux de héros. Quand la voix de l'Iskakor appellera mes Valkyres élus, mon œil sera contraint de se concentrer sur elle. Danica, prends la tête de nos troupes. Tu seras la colère d'Odin incarnée. Que par ton bras, ma fureur s'abatte sur mes ennemis. Emportez l'Iskakor dans l'antre et transpercez le voile de son souffle afin de déchaîner ma colère. Rien que ça, quoi. Valarjar, apportez-nous la victoire. Demandez à Venari de vous aider à lier l'Iskakor à l'antre. Sans bravoure, une vie ne vaut rien. C'est cool. Franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Ah d'accord, je dois sauter visiblement. Non ? Je vis dans les terres de l'ombre. D'accord, comme ça.
Autant vous demande. Ah d'accord, ok. Je sers une puissance supérieure. D'accord, donc on pourra retourner là-bas quand on veut via cette Valkyrie. Ok. Ça fait beaucoup de choses, hein, mine de rien, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai tout le temps du cosmos. La question est merveilleusement précise. Quant à vous répondre, je ne peux qu'émettre des hypothèses. Vous sentez les assauts de l'antre contre votre esprit? Personne ne vous a suivi, j'espère. Bon, ok. Du coup, la suite ce sera ici. Écoutez, on va s'arrêter là. Et sur ce, j'espère que ces trois épisodes que j'aurai tourné avec vous vous auront plu. Et je vous dis à bientôt, certainement, courant de l'épisode 181, du coup. Allez, à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie. On se retrouve épisode 171 de World of Warcraft. Il me semble qu'il n'y a pas d'épisode en cours, hein. On s'est arrêté pile poil, il me semble. Je vérifie dans mon dossier vidéo, mais il me semble... Ah non, excusez-moi, on est en cours d'un épisode depuis 20 minutes, excusez-moi. Du coup, je reprends le tournage, hein, du coup. Je sais juste qu'on est à l'épisode 171. On va continuer donc la campagne, tout ce qui est tourment, j'ai pas eu le temps de le faire. Je vous avouerai que je passe juste sur le jeu, toujours pour faire mes reventes. Avant, je vais vous montrer un truc. On est à 4 500 000. Il me manque 500 000 PO. Pour avoir la monture qu'il me faut. La monture que je veux. À savoir le fameux Diplodocus. Le Brutosaur, c'est ça. C'est le Brutosaur qui possède un hôtel des ventes sur son dos. Voilà. Donc on est à 500 000 PO de mon objectif d'achat. Et à partir de là, je pourrais vraiment me consacrer à Shadowlands, à tourner un peu plus régulièrement. Parce que je pourrais farmer beaucoup plus facilement et vendre, et donc gérer mes ventes beaucoup plus facilement. Parce que là, c'est chiant, à chaque fois, je dois faire le tour des donjons et tout, et puis retourner à faire des allers-retours, en fait, pour vendre. Alors que là, je pourrais directement vendre depuis les donjons, sans m'emberter. Ou alors, je sors du donjon, je vends, je re-rentre dans le donjon, quoi. Ça va être beaucoup plus rapide. Enfin, voilà. Pourquoi j'ai pas le son du jeu? Attendez. Ah, c'est mieux. Excusez-moi. Du coup, on est parti. Gestion de la colère. Alors, si j'ai passé de nombreuses heures à écouter les artistes qui se produisent à Tazavesh, je ne suis pas musicienne pour autant. Vous allez devoir récolter des émotions particulièrement fortes pour donner une voix à ce corps. Ah oui, c'est vrai, on avait récupéré le corps de Oda, du coup. Le corps, la corne, hein, le popo, instrument de musique. Certains des damnés pris au piège dans la rivière des âmes sont consumés par une colère débridée. Servez-vous de ce dispositif de siphonnage pour drainer la rage
de ces ombres et la stocker au sein de votre instrument. Les hurlements ainsi obtenus vous permettront de passer outre les frontières de l'antre pour vous faire entendre de vos alliés. En revanche, d'un point de vue purement mélodique, je doute que le résultat final vous flatte les oreilles. Ok. Vous devez aller à la Gorgoa, la rivière des âmes. Elle traverse l'antre et livre les damnés à leur funeste sort. Bravez ces périls et rapportez-moi des vestiges des esprits qui errent en ces lieux. Ok. Pour ancrer l'instrument dans l'antre et assurer le bon fonctionnement, vous devez imprégner de l'agonie brute des âmes retenues captives dans cette prison maudite. Le chagrin y est si répandu qu'il est facile de s'en procurer. Il vous suffit pour cela de vous rendre auprès de la Gorgoa. Voilà, elle vient de le dire, j'ai pas retenu. Les âmes damnées y versent quantité de larmes cristallisées alors qu'elles dérivent au gré du courant. À charge pour vous de les recueillir. Et surtout, ne vous laissez pas gagner à votre tour par leur détresse. Allez. Trek dans les terriers. Les entreliges élèvent des créatures magiques dans les terriers. Leur puissance est considérable. Sans entrave, je n'ai pas d'autre choix que de m'en remettre à vous, bien que je puisse vous fournir des informations. Je dois admettre que vos talents de guerrier surpassent largement les miens. Chassez les bêtes qu'ils dressent pour nous traquer. Prouvez aux entreliges que nous pouvons aussi montrer les crocs. Mener la chasse à bien. Ah putain, dans les terriers. D'accord, mais je vais en suggérer 5. Ça, c'est un. Je vais le prendre, mais ça a l'air d'être un donjon, ça. Le goût de la mort. Ça va me coûter 800 sigils. Ah d'accord, ok. Je ne voudrais pas vous retenir. C'est juste de la réputation. Ok. J'y accède ici. Ok. Donc on a principalement ces quêtes-là et on a aussi une quête là. Découvrez d'autres secrets. Alors nous pourrons parler. Ok, mais c'est pas notre objectif. Du coup, on va aller là-bas. Bon. Et l'avantage, c'est que maintenant, ah, un client potentiel. À une prochaine fois. Je peux utiliser mes montures. Et ça, bah, c'est pas la même. Alors, il me semble que par contre, si je suis là trop longtemps, ça va pas bien aller, non? Bon, ça a pas l'air d'être trop.
Du coup, ah. Ok, d'accord. Bon, ça devrait plutôt bien se passer. On va se concentrer sur les larmes. D'accord, de toute façon, ce sont les ombres furieuses, invisiblement, qu'il faut que je draine. Donc ça, ça marche pas. Ah oui, autre chose, ça y est, mon crépuscule refonctionne.
N'empêche que le crépuscule refonctionne, c'est une très bonne chose. Parce qu'en vrai, je augmente mes dégâts de ouf. C'était chiant quand ça fonctionnait plus. Âme sans but. D'accord, ok, c'était une âme que je pouvais sauver, mais je suis pas en quête de justement de secourir des âmes, ce qui est dommage. Bon. La zone, je crois. J'ai quitté la zone, il va falloir que je revienne. Essayer par là. Ah. Apparemment, il y a une quête secondaire. Enfin, une... un objectif bonus. Je sais pas ce que ça rapporte si jamais je le bute. On va essayer. Alors on va essayer de se le faire.
Ok, ça m'a rapporté des sigils, visiblement. C'est tout. Bon. Ah. Viens ici. Non, ils veulent pas lâcher l'affaire. Oh, bordel. Merde. Oh, je suis mort. Malheureusement, ouais, mon marcheur est mort. Qu'attendez-vous de moi? J'inflige plus de dégâts, mais je subis plus de dégâts. Ce qui est pas cool pour un démoniste. Bon, tant pis, celui-là je l'abandonne. Je vais se trouver, voilà. Putain, mais c'est pas possible. Si, c'est bon. Allez, il m'en manque plus qu'un. J'ai bien trouvé un isolé là-bas. Ça aurait été quelque chose.
d'accord. Personne ne vous a suivi, j'espère. S'il n'y a rien d'autre sans entrave. Alors, le mélange de chagrin et de rage que vous avez récolté suffira à accomplir vos desseins afin... Attendez, je veux juste regarder un truc, voilà. Enfin, sûrement, puisque vous vous obstinez dans cette voie, plus que risqué, vous allez devoir vous servir du corps au quai du terminus, là où la rivière des âmes s'élève pour rejoindre Tourment. Les énergies qui circulent sont particulièrement puissantes. Il y a fort à parier que la présence de vos alliés bardés d'or attire l'œil du geôlier. J'espère que cela ne sonnera pas le glas de votre courte vie. Ce serait contraire à mes intérêts et j'ai horreur d'investir à perte. Rendez-vous au quai du Terminus et servez-vous de X accords pour invoquer la colère de Oda. Dans l'antre, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Ok. Mais bon, je suis tranquille. Par contre, la vache. Dégâts subis 15%, 18% et dégâts infligés. Allez, on va essayer de faire vite. Ok. Nous répondons à l'appel de l'Iskakor. Préparez-vous, car l'œil va être contraint de se tourner vers nous. Ah bah super, la bonne idée. Osez pervertir ainsi l'auguste œil d'Odin, c'est intolérable. 3 millions. Les petits yeux le protègent. Clouez-les au sol avec ma lance. Et massacrez-les. Je suis tellement mort. Les petits yeux le protègent, ils sont en train. Clouez-les au sol avec ma lance. Et massacrez-les. Mais...
Oui, j'ai compris, mais... Ouah, cet enfer! Et occupez-vous de lui aussi, là! Alors? Les petits yeux le protègent, son entrave. Clouez-les au sol avec ma lance! Et massacrez-les! Marche plus ta lance, c'est merveilleux. Ah, quand même. L'œil du geôlier ne se pose plus sur vous dans l'antre. Prouvez votre valeur. Ah, on va voir les emblèmes de renom. Venez mon ami, quittons au plus vite cet endroit maudit. Je vais vous ramener auprès de vos camarades. Ils seront ravis d'apprendre que l'œil a été vaincu. Faites-moi savoir quand vous serez prêt à partir, les vieux normands. Gagnez, Goria. Ok, donc elle nous renvoie. Laissez-vous trouver la gloire sur le champ de bataille. Elle va nous renvoyer apparemment. Je ne sais pas si c'est la providence ou la fatalité qui vous a mené à... Peu importe. Ensemble, nous avons terrassé un terrible ennemi et vengé mes sœurs. Elia n'est sûrement pas au bout de ses manigances, mais dorénavant, elle devra se passer de nous. Odin sera satisfait. Et vos alliés aussi, sans doute. L'absence de l'œil facilitera leur combat contre le jour. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. On chantera longtemps vos exploits dans la grande salle d'Odin. Tous salueront votre bravoure. Nous nous dressons ensemble contre les ténèbres. Quoi qu'il arrive,
ferons front. Ok, d'accord. Ah. Ainsi, l'œil du geôlier est en déroute. Bien. Et ces informations sur Desmoteron nous seront utiles. Mais l'alliance de Elia et Viraz n'augure rien de bon. Viraz est un traître et un lâche. Je vengerai la mort du margrave Crexus dans son sang. J'ai hâte de voir les armées Maldraxi à l'œuvre, Baron. Vous avez quelque chose de... d'étrangement familier. J'ai la même impression. Quand Oda a regardé par-delà le voile, il a parlé d'être ailé escortant les âmes vers leur repos éternel. Très intéressant. J'aurais aimé en discuter plus longuement si nous en avions eu le temps. Une fois notre devoir accompli, nous pourrons peut-être partager les récits de nos exploits. Avec plaisir, mon ami. Moi, il y a beaucoup à faire. Ok, bon. Ah bah. Ok. Portez-vous bien. Je me souviens de vous. Quelles sont les nouvelles ? Vous nous avez aidé à rétablir un semblant d'ordre dans vos rangs, mais nos perspectives demeurent bien sombres, sans entrave. Les troupes du geôlier assaillent sans relâche les ruines de notre caveau à la périphérie de Corsia. De toute évidence, le proscrit cherche à s'emparer de l'un des artefacts conservés en son sein. Les défenses imprégnées à la structure s'activent dès lors qu'elle est menacée. Cela ne va pas nous faciliter la tâche, mais nous devons à tout prix devancer les entreliges. J'ai recruté un nécro-seigneur qui nous aidera à ouvrir le caveau. Allez voir Talgan devant le refuge de l'érudit. Okay. Je vous rejoindrai un peu plus loin sans entrave. Puisse le dessein vous guider. Sécutor Mevix, rassemblez vos hommes et sécurisez les abords du caveau jusqu'à leur arrivée. La puissance de la malveillance du geôlier ne cesse de croître. Notre résistance doit en faire de même. Combattez au... côté de nos alliés, MDG Normand, repousser les ténèbres qui menacent de nous engloutir. Ensemble, nous vaincrons. Que le dessein guide votre main. Alors, qu'est-ce que je peux recevoir? On reçoit tout ça. Il y a un emblème de renom, un trésor, et des sigils. Brèche de sigil, ok. Il y a tant à prendre. Laissez le dessin vous guider. Je peux vous forger quelque chose ? Alors, moi j'ai une question, c'est ces trucs-là. Ok, alors pas ça. Mais j'ai des trucs là... Tous ces trucs là, faut apparemment que je les mette quelque part ici. Sans une bonne épée. Mais j'ai pas compris où. Vous avez besoin de quelque chose? Il y a du travail.